La vie commissaire Muscadin, mesdames et messieurs, en danger. Dans le moment où on a parlé là, eh bien, il y a une grosse antenne dernier degré qui mettait donc sous tête commissaire Muscadin. Eh bien, pour nous retirer la vie commissaire parce que c'est lui-même qui empêchait nèg exam yo envahi ni plan et nous connaissons ni plan son cimetière lié et nèg yo comme ça tout nèg wè k'ap bat koyo voye monter par l'en pile yon pa mettre pointe pied nan nip. Eh bien, mesdames et messieurs, commissaire Muscadin qui lui-même manqué quitter Paul à terre côté ben pendant le pral dans service li yon machine t'a suivre commissaire et les commissaires suspect machine ça eh ben et digèle c'est d'elle même machine nan yé. Monsieur descend pour envahir nèg yo sortant de ya et ben nèg yo gètan chapé pour yo gètan retirer plaque machine nan gètan prend papier machine nan selon sa commissaire fait qu'on est et nèg yo jeté yo machine ça qui lui même rete là et ben commissaire a veillé li pour le qui nèg k'ap vinn prendre mais nèg yo pa vinn prendre et yo pa vinn prendre et ben commissaire Muscadin là nous pral faut tande qui t'a expliqué mesdames et messieurs comment bagay ça lui même il t'est passé si c'est pas tant. Eh bien, bon, j'ai intelligence, commissaire, les comme ça. Donc, c'est défait Muscadin, nous t'ap dit. C'est défait Muscadin, nous t'ap gagné dans le pays. Parce que, nous t'ap envahi commissaire et bagay la t'ap mal passé. Dans la vidéo, ça, mesdames et messieurs, nous allons inviter ou gain tout détail. Bagay yo red dans Cité Soleil. Bagay yo red dans Bèlekou. Bagay yo red dans Cité Militè, mesdames et messieurs. Nous m'en a parlé là, faut que nous dou. Et mon Cité Soleil, c'est demain dans tête yo relé. Y a relé parce que ti Gabriel a frappé en bas dans la saline bagay yo grave. Genève même, c'est gros cause. En tout cas, en nous tendez vidéo pour plus d'informations, mesdames et messieurs, n'a tourné. Et nous devons toucher dossier commissaire Muscadin, mesdames et messieurs. Commissaire Muscadin, eh bien, qui est dans l'actualité également. Et Salomon, on touche commissaire Muscadin parce que sincèrement, nous avons pile et petit bandit, gros bandit. Qui a prévu pour être capable d'assassiner le commissaire, mais le commissaire a une réponse pour tout Salomon. Nous avons dit, le commissaire Muscadin, depuis quelques temps là, nous connaissons que son canal de massacre, et bien, il préoccupé en pile haïtien. Le commissaire Muscadin, nous connaissons, et il fait de temps, nous connaissons comment en pile monde, et jusqu'à présent, dans en pile monde, le commissaire Muscadin, par rapport à travail, traquer bandit. Les bons bandits perdus par la virée, où on connaît, c'est dans le département, ou bien dans la zone, commissaire Muscadin ou passé, et le commissaire Azou, ou pas tourner la caou, parce qu'il dit, département du plan, il est cimetière pour vagabond ici. Et bien, nous avons dit, commissaire Muscadin, c'est une machine qui t'a poursuivi un commissaire, et le commissaire, lui-même, avec un pile vigilance, et bien, il t'a tenté, ouais, et arrêter. Ou bien maîtriser le monde qui est dans la machine, mais malheureusement, les gens qui sont dans la machine, ils échappent pour eux. Nous allons être des commissaires Muscadin lui-même qui dit depuis quelques temps là, ils mettaient la machine à veiller la tribord par bord dans le département, dans le contrôle sous le commissaire Muscadin, ça veut dire la mafia. Je dis là qui sent qu'ils ont paniqué du mien, et bien je dis là, ils mettaient le contrôle sous le commissaire Muscadin. Nous allons garder cette vidéo ça ensemble avec nous. Oui, c'est exactement. Et on connaît, j'en ai travaillé ça, on a toujours plusieurs personnes qui barrent mon. Mais, et nous attendons ça. Mais nous pas inquiets pour le commissaire Muscadin. Prudent, puis le ferait pas. Mais l'essentiel, opération zéro tolérance, gang, bandit pas sous moun, gang à cravate, gang à pied, tout côté, yo pas sous moun. On nous prend excellent pour vous, mesdames et messieurs, commissaire Muscadin. Comme ça, Muscadin, nous avons une opération pour mener là, une machine qui prend la fuite. Et ben nous plus de détails, qui ça va gagner là exactement? Je dis, nous avons des sous pour les nègres. Depuis Pémel, et une machine qui l'a sur nous, c'est la machine ça. La machine l'a sur nous, nous registrons pour les nègres avec nous. Arrivons pour nous descendre dans la vie pour les nègres, même quand la machine fait bac. Les fait bac, nous courons derrière lui, nous avons râlé bac. Monsieur dévier nous, monsieur courir, monsieur prend la fuite, et puis nous courir jusqu'à ville Miyagwane. Mais dès que nous relais, nous faisons bloquer, du coup nous débarquons, nous dépassons pour monsieur pas capable de quitter la ville là. Après, en pile coup de fil, et la population finit par aller, nous disons que nous avons une machine ça. Pour la peine, machine ça, nous faisons bac. Pour empêcher que nous prenions, nous crasons deux machines, et plusieurs nègres sont tombés pour le job, nous sommes à l'hôpital. Par contre, je dis à la population de machine là, et comme l'autorité du côté d'Akin qui était relevé, qui était dit que le producteur, il dit que ce n'est pas de problème, sauf que nous avons là, nous avons un producteur à venir pour dire qu'est-ce qu'elle dit. Mais sauf que il dit que le conducteur est connu, mais l'autre monde qui est dans la machine là, il n'est pas connu. Donc il y a la forme un jeune producteur pour dire pour qui ça le courit. Qui raison de gagner qui fait le coup? Mais comment est-ce que tu as une plaque machine ça? Machine a une plaque, il sous facto. Nèg rentre là, nèg gna racher plaque là. Il racher plaque là, il prend clé là et puis il abandonne machine là et puis même papier machine là il gna tout. OK? Mais est-ce que nèg ça yo c'est des nèg qui t'a venu faire des choses comme quoi des bandits sans foi ni loi ou bien c'est quoi? Comment justifier ça? Par contre ça yo t'es venu faire. Mais sauf que si me sûr et certain que nèg qui t'a donné c'est bandit, il pas de chance échapper. Parce que les amnés maintenant tapent fond de coup de balle, tapent fond de coup de balle. Mais d'abord même pour ça négocier. Ah bah connais, sauf que négocier oui. Et moi même t'es qu'un pile monde dans marché là, donc t'es pour éviter et les l'autre monde qui victime, l'autre monde blessé, t'es obligé choisir poursuivre négocier plutôt. Et finalement négocier là négocier rentrer. Du coup les défauts de nèg en face de l'église et en face de l'hôpital là. Donc population relais non, il y a une population, il y a une machine là, ok. Et l'autorité dans la ville qui dit que le conducteur, actuellement là, il est les conducteurs. Tant de conducteurs viennent pour dire exactement de quoi il s'agit. Mais nous, la machine, ça a gagné tout le monde. Ça passe bon. Bon, enfin, les gens qui ont couru, probablement, les gens qui ont essayé de tirer. Comment les gens qui ont couru, ils vont la faire comme on est. Ok? Les gens qui ont racheté pas. C'est pas innocent. Voilà, mesdames et messieurs, ces gens qui nous suivent là, eh bien oui, et monsieur a fait tentative sous commissaire Muscadin, mais yo joignent tout. Yo joignent nous connaît commissaire Muscadin, va nous jouer avec eux. Voilà, Salomon, on nous a avancé, j'en nous dit commissaire Muscadin bravo. Et mais bandit ça, il faut qu'il parle, il faut que nous connaissons qui ça a été venu faire. Hein, c'est pas la première fois a PC fait tentative pour attaquer commissaire Muscadin, mais bref, en tout cas, yo joignent tout. Oui, frère pas. Mais malheureusement, Jimmy, il y a des chapés pour lui. Malheureusement, il y a des chapés pour lui. Et content, et nous connaissons le commissaire qui était là dans le corps pour être capable. Et bien, nous avons dit arrêtez. Ou bien, on a maîtrisé monsieur. Ou aller avec plaque là, aller avec papier maintenant. Il y a des chapés pour lui. Eh bien, après audition, ancien secrétaire général, par les nationales, Lionel Valbrun, je dis ça, trois autres hauts fonctionnaires en bas à l'accusation de Jovenel Moïse doivent comparaître devant juge, instruction ou alter ou voltaire. Depuis après l'arrestation, nous avons dit bas de Félix, nous c'est presque entourage et amis, alliés, monde qui la supposé là pour protéger le président et nous juge là. Mais pas suspendre convoqué. Est-ce que Bado Félix lui parlait et pour Jaco répète pour dire qu'il y a un pile monde qui était proche président et qui a mangé l'argent président et bien Joda Kiri c'est un assassinat. Et bien nous commençons à dire qu'il y a trois fonctionnaires qui sont acteurs et directeur général bureau monétisation programme aide développement BMPAD. Fils aimé Ignace Pleur, acteur général, c'est le général Palais National là, José Pierre-Louis et ancien directeur général AI, police nationale Léon Charles. Vous allez répondre dans le prochain jour, question Maïssa Voltaire autour des assassinats du président d'Haïti. José Pierre-Louis est pointé du doigt par mon frère John-Joël Joseph, c'est l'ancien sénateur qui était arrêté en Jamaïque puis transféré vers les États-Unis avant de plaider coupable par devant le tribunal fédéral Miami. Mais c'est quitté du territoire haïtien par appui maître Pierre-Louis. N'a pas fait que l'ancien secrétaire général du Palais national là, Lionel Valbrun s'est présenté dans le carré magistrat et jeudi, et on va parler jeudi 16 novembre. Bon, dis-moi trois noms là. Trois noms, il y a Ignace Pleur. Ignace Pleur, qui était actuel directeur BMPAD là, bon, bah, actuel, qui est toujours là. Mais, il y a ce problème, attendez, récemment, il y a une réunion qui a fait, il y a allé représenter Jovenel ou Jovenel. Qui est Ignace Pleur? Ignace Pleur, c'est candidat à la députation pour poste à la députation. Mais Ignace Pleur est dans le même parti avec le président Jovenel Moïse, bouclier. Pas bien, le président Jovenel Moïse fait partie de la lettre de bouclier. Et puis, Joseph Michel Martel, il a gagné la PHTK. Ignace, pas bonne élection.